Assalamu alaykum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir assez brièvement, mais clairement, sur le sujet suivant, à savoir la déclaration d'Ibn Taymiyyah quant au fait que selon ses dires, l'enfer aurait une fin. En effet, comme nous l'avions explicité dans une vidéo antérieure, ceci fut la position d'Ibn Taymiyyah que l'on trouve dans son ouvrage intitulé sans omettre au passage que son élève Ibn al-Qayyim l'a confirmé à son sujet également. Effet surprenant, bien que nous ayons rapporté l'ensemble de ces éléments clairs, nous trouvons encore à notre époque des individus tant aveuglés qu'ils réfutent ces éléments comme provenant de leur gourou. C'est pourquoi, à titre d'ajout, nous allons leur apporter un nouvel élément. Sachez que l'Albani, cet horloger de formation, que vous n'hésitez pas, les wahhabites, à prendre en référence comme un savant soi-disant du hadith alors qu'il n'en est rien, a lui-même rapporté le fait qu'Ibn Taymiyyah a bien dit que l'enfer aura une fin et a précisé qu'il s'agissait d'une erreur de parmi d'autres qu'il a commis. Et voici son propos qui figure dans le livre intitulé « Mawsu'at al-Albani » en page 483. Il lui est posé une question, chapitre, est-ce que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont dit que l'enfer a une fin? Ce à quoi l'Albani a répondu, le fait de dire que l'enfer a une fin, c'est un des dérapages de Ibn Taymiyyah. Fin de citation. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous sommes en possession de l'audio où l'on reconnaît très concrètement la voix de cet illuminé de l'Albani, qu'il le confirme de nouveau, à savoir que, selon Ibn Taymiyyah, l'enfer aurait une fin. قال المجسم المشبه الألباني القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية. Il a été dit que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. والله تعالى أعلم وأحكم. Que Allah préserve nos cœurs de réfuter la vérité et nous accorde de demeurer au nombre de ceux qui propagent la vérité jusqu'à la mort. Amin.